Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le nouvel épisode du Mode à la Mode, le 27e de la série. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une division qui est en péril, puisque oui, la Formule Renault 3.5 est menacée. Renault déciderait peut-être d'arrêter la Formule pour se reconcentrer sur une autre manière de former de jeunes pilotes. En tout cas, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la saison 2014 qui est reprise dans ce mode et développé par nos amis de chez Virtua Simulazioni. Et eh bien, ce mode débarque dans Assetto Corsa. C'était une des dernières plateformes à ne pas proposer cette discipline. On sait que c'est une discipline phare, Dark Factor 2 par exemple, et que vous avez l'équivalent dans Project Cars avec la Formule A B, qui se rapproche plus de cette Formule Renault que du GP2 proprement dit. Le mode en lui-même comprend trois configurations voitures, qui sont en fait des configurations aérodynamiques, qui s'adaptent au tracé que vous sélectionnez. Actuellement, vous voyez tourner les voitures sur Monza avec l'appui le plus faible. Vous verrez ensuite un plan de Zandvoort avec l'appui le plus fort, et enfin un plan de Spa-Francorchamps avec la configuration intermédiaire. Sachez également que le mode est fourni avec une seule configuration de gomme. Elle est fournie par Michelin et elle est bien sûr mentionnée sur les flancs des pneus. Pas ici de pneus durs ou de différentes compositions, simplement les pneus tendres. En tout cas, on va parler un petit peu des trois types de configurations aéro et ce qu'elles représentent dans le comportement des voitures. Mais avant, quelques petites informations sur ces monoplaces qui sont équipées de moteurs V8 Zytec 2 3 litres 4 développant plus de 500 chevaux, des bêtes très véloces, des bruits absolument formidables, que ce soit en plan TV ou en caméra embarquée. Le bruit, parlons-en, le son du moteur est très bien réalisé, c'est vraiment un des atouts de ce mode de Formule Renault. Il est vraiment convaincant et je vous laisserai ensuite aux différents plans des différents circuits apprécier le son. Les voitures en elles-mêmes, parlons-en, le mode donc avec des modèles 3D très bien réalisés, c'est d'une finesse incroyable. Cette équipe avait également développé des modèles en stand-alone, des voitures un petit peu toutes seules. On pense notamment à la McLaren MP4-13 de la saison 98 de Formule 1, qui était une réussite, qui était pour moi l'un des meilleurs modes Assetto Corsa encore à ce jour. Et cette fois-ci, eh bien, elle frappe encore très fort avec ce championnat 2014 repris en intégralité avec les 15 livrés des 15 pilotes ayant pris part à la saison l'année dernière. Le comportement des voitures, j'y viens maintenant. On a vraiment des sensations bien différentes selon l'aérodynamisme de la voiture. Vous voyez ici l'aileron arrière, c'est sur ce plan-ci, c'est très bien visible, qui est très plat, il y a très peu d'appui sur l'arrière de la voiture, ce qui rend eh bien, le comportement de la voiture très délicat en entrée et en sortie de virage. Il va falloir doser votre accélération avec précision si vous ne voulez pas partir en tête à queue ou sous-virer ou survirer avec ces machines. La caméra ici, qui se place comme les vues télé sur l'arceau, vous donne bien une idée de la réalisation du mode. C'est juste parfait, du coup des pneus jusqu'au triangle de suspension et les longs avant et les antennes. Le détail est là. En tout cas, on sent qu'avec cette configuration avec peu d'appui aéro, eh bien, vous allez très vite en ligne droite, mais il est très difficile de porter une attaque puisqu'il y a peu de différence avec les voitures. Je vous invite à bien regarder le descriptif pour voir un petit peu eh bien, comment sont jugés et étalonnés les IA. Vous voyez qu'ici dans le deuxième Lesmo, c'était très difficile. Pourquoi? Eh bien parce que le manque de charge aérodynamique sur le train arrière fait que le passage de certains virages mi-vitesse et basse vitesse peut s'avérer très délicat. En tout cas, je vais vous laisser profiter maintenant de ces quelques plans de Monza et on se retrouve d'ici quelques instants pour l'explication de l'appui aéro fort sur Zandvoort.
Passons maintenant à cette deuxième manche. Cette fois-ci, je vous présente la configuration aérodynamique la plus importante. Vous voyez que l'aileron arrière n'a pas du tout le même profil, la voiture non plus. L'angle de l'assiette du châssis est complètement différent. Vous voyez aussi qu'il y a beaucoup plus de plans sur les ailerons avant et les voitures sont un peu plus rigides. En fait, on a ici la voiture qui ressemble le plus à ce qu'on pourrait assimiler à du karting. Donc vous avez vraiment une limite de grip aérodynamique et mécanique à tout le temps aller chercher et c'est vraiment très plaisant à conduire. C'est la configuration personnellement que je préfère. Dans les virages, vous pouvez vous lancer votre voiture, vous allez toujours la récupérer en sortie de virage. Le train avant est très agile, même avec une barre de roulis très dure, vous arrivez à placer votre voiture sans souci. Les pneus froids ici ne posent pas trop de problèmes. Je rappelle que je joue sans assistance, c'est une information nécessaire pour la compréhension du comportement de la voiture. Et vous voyez que même sans les assistances d'antipatinage et de stabilité, la voiture se comporte très bien puisqu'elle a une logique dans son comportement de passage de puissance, de limite de grip. Très important dans cette configuration là, le dévantage, ça ne se verra pas sur ce tracé-ci. Lorsque vous avez des circuits avec beaucoup d'appui, je pense par exemple au Hungaroring, des choses comme ça, des circuits de ce type là très, très sinueux, eh bien il est possible qu'en étant trop longtemps derrière votre adversaire, vous soyez victime d'un dévantage et que vous perdiez votre train avant. C'est une chose à garder à l'œil, donc ça va constamment vous poser la question, est-ce que je suis bien placé sur la piste? Est-ce que je suis là où je peux tirer le meilleur du grip de la voiture? Et c'est vraiment le plus que l'on peut retenir de cette configuration la plus importante. Je vous laisse profiter de ces quelques plans et on se retrouve à Spa pour la dernière explication. Et enfin, voici la troisième partie de l'explication de ce mode, le mode intermédiaire avec le medium downforce, donc l'appui aérodynamique moyen. Et là, on a une configuration un petit peu passe-partout si vous n'êtes pas bien affilié et habitué au réglage. C'est la configuration que vous devez sélectionner pour prendre un maximum de plaisir avec un minimum de réglage demandé. Vous voyez que de nouveau, l'aileron arrière est de nouveau incliné d'une manière différente de ce qu'on avait vu jusque-là dans la vidéo. Vous voyez également que le train arrière de l'IA balade beaucoup plus, il est beaucoup plus plaisant de sortir d'un virage et là d'atteindre plus rapidement qu'avec l'appui le plus important la limite de grip en virage et ça donne vraiment des sensations excellentes. C'est la configuration de voiture la plus homogène si vous souhaitez bien partir comme base sur un circuit. Ça peut être un réglage passe-partout mais il faudra quand même l'adapter selon la piste où vous. Ici sur Soif-en-Corchamps par exemple, j'ai manqué de vitesse de pointe avec l'étalonnage de boîte, j'ai manqué d'appui dans certains virages et j'avais surtout une boîte qui était mal étalonnée pour certaines courbes à mes vitesses. Vous voyez qu'on n'hésite pas à y aller, hein, du côté de Blanchimont. Pour les IA qui sont bien réactives, j'étais très surpris de piloter face à ces IA depuis la version 1.2 d'Assetto Corsa, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. En tout cas, si vous sélectionnez le mode dans votre bibliothèque, n'hésitez pas à adopter cette configuration aérodynamique qui est la meilleure pour les plus novices d'entre nous, puisqu'elle permet donc d'être polyvalent sur plusieurs circuits sans perdre en plaisir de jeu. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire finalement sur ce mode. Un conseil, sincèrement, prenez-le, il vaut la peine, il est gratuit, il est disponible dans la description. Et maintenant, je vais vous laisser profiter un maximum de ces voitures sur le tracé de Spa-Francorchamps. Et il me reste à vous remercier d'avoir suivi cet épisode du mode à la mode, et je vous donne rendez-vous en piste bientôt. Salut les amis!